Bonjour. L'année dernière, j'avais fait mes semis de tomates de très bonne heure et en une seule fois. Et toutes mes tomates sont mûres en même temps. Ce qui fait que vers fin août, début septembre, toutes mes tomates étaient mûres. Cette année, j'ai fait différemment. J'ai fait mes semis de tomates une fois par semaine pendant 8 semaines. Et le résultat, c'est que on est aujourd'hui le 7 octobre et on va ramasser les tomates du mois d'octobre. Ah, aujourd'hui il pleut, hein. Là, c'est des petites. On va continuer. Il y en a encore par là. Ça, c'est des petites tomates. Maintenant, on va ramasser les marmandes. Parce qu'il reste encore des marmandes. Toujours des marmandes. Ça filme, hein? Une très jolie au-dessus là. Ici, là, une très belle fille. Allez, on continue. Et encore un peu. Là, on a fini avec les marmandes. Et maintenant, on continue avec celle que je préfère, les tomates d'ananas.
n'y a pas que moi qui préfère les tomates ananas. Il y a aussi les escargots. S'il y a des escargots et qu'il y a plusieurs sortes de tomates, les escargots ne s'attaquent qu'à la tomate ananas. Et Rocco. La caméra est mouillée. Mais c'est pas grave. Tu restes là, je vais chercher les dernières. Je range pas la caméra. Eh, ta caméra elle va crever, hein. Elle est étanche au moins. Hein? Elle est étanche ta caméra. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà. Oh, bah dis donc. Hein? Pour une récolte au mois d'octobre. C'est pas mal, non? Donc, on va s'abriter. Non, filme. C'est un gros plan, pas que mon père. Et voilà la récolte. Début octobre. J'ai encore beaucoup de tomates qui sont vertes, beaucoup. Et puis je me dis que même si fin octobre, j'en ai encore des vertes, et ben je pourrais toujours faire de la confiture de tomates. Bon, il pleut, on arrête tout, la prochaine.